Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais installer un câble USB sur ma moto, parce que j'en ai besoin pour mon téléphone. J'utilise mon téléphone comme GPS, et du coup, ça bouffe pas mal la batterie. Et donc, j'ai besoin absolument d'un câble. Et comme sur le Softel standard, je vous rappelle que voilà, ici, il y a un emplacement prévu normalement pour une prise USB, mais sur le standard, il n'y a pas de prise USB en option. Oh là là, il y a une grosse trace là. Donc l'idée, ça va être de raccorder une prise SAE comme ceci, donc, hein, qui est à l'autre extrémité de mon support USB. Voilà. Et donc cette prise, on va la raccorder ici, sur la prise qui va directement à la batterie. Donc j'ai déjà testé, hein, sur un week-end, je l'avais branché momentanément en fait à l'arrière de la moto. Ça fonctionne très bien. Donc là, l'idée, c'est de passer ici. Je vais essayer de passer sous le réservoir et de ressortir ici et d'emmener la prise USB raccordée quelque part ici sur le guidon de ce côté-là ou de l'autre côté. Je vais voir ce qui est le plus pratique. Donc avant tout, j'enlève cette vis, je relève le réservoir pour avoir un peu de champ et passer le câble jusqu'au bout. Voilà, allez, on fait ça. Faire tomber le réservoir. Donc j'ai prévu une cale en bois, je sais pas si elle va passer. Il faut que j'enlève ma selle parce qu'elle gêne pour pouvoir le relever. Quasi plein. Oui. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à passer mon câble là-dedans. Ça va être chaud patate. Voilà, donc c'est par là que je voudrais passer mon câble, si je peux. Ici, il y a un passage, voilà, on peut passer là, par là. Donc je vais essayer de passer ça par là. Allez, c'est parti. Un tire-fil maison avec un petit fil de fer qui est gainé en plastique pour éviter d'arriver là-dedans. Voilà, j'ai fait un petit anneau au bout et on va essayer. Ce que je dois voir, il est par là. J'espère que je suis assez long. Ah, je le sens, il est juste là. Alors, j'ai passé mon tire-fil ici. Il ressort là, voilà. Donc je voulais le passer là-dedans, mais ça va pas être possible. Donc c'est pas grave, il va sortir ici, ça va être très bien. Allez, faut que je tire mon câble maintenant. Alors, j'accroche mon câble. Hop, un petit bout de scotch. Voilà, alors je vous montre quand même avant. Voilà, j'ai accroché l'extrémité de mon câble avec du scotch armé. Tac. Et ensuite, on va tirer. Et on va croiser les doigts pour que ça passe. Voilà.
Alors, donc là, il faut juste que je descende ici. Donc je vais quand même garder mon tire-fil. Je vais en couper un bout. Alors, je vais essayer de le passer par là. Ça serait pas mal. C'est derrière. C'est plus court, et là, c'est plus long. Très bien ça. Je peux l'accrocher là-haut, et je peux l'accrocher là. Clac, clac. Voilà, là j'ai branché le câble ici. Voilà, il passe derrière là. Il passe là-dessous. Il longe le réservoir là en dessous. Tac, 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 tac. Le câble ressort ici. Et ensuite, j'ai fixé donc le support voilà, ici. Là donc j'ai branché mon câble de téléphone et voilà, et là on voit que mon téléphone est actuellement recharge là 63%, donc ça fonctionne. Alors après le câble là qui pendouille, pas top, hein. Je vais le ramener par là, je vais trouver une solution pour le coincer. Voilà, donc l'intérêt c'est tac. Là, on me propose des parcours. Je vais aller plutôt sur mes parcours. À nouveau, on va direction La Rochelle.